Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous pouvez voir, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Et donc comme vous pouvez voir, regardez, je n'ai toujours pas lancé, donc on va se faire une campagne, nouvelle partie. C'est parti. Ce jeu sauvegarde automatiquement, ok. D'abord, la bonne nouvelle. Le monde à l'ancienne. Le feu. On a une guerre civile en Russie. Gouvernement contre ultranationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine, quoi. Khaled al-Assad, actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro un là-bas. Les services secrets l'ont à l'œil. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui, tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Bonjour. Content de te voir, mon gars. Prends un fusil sur la table. Je suis là en fait. Attendez, est-ce qu'il y a les sous-titres? Moments later. Ok, donc j'ai mis les sous-titres, comme ça maintenant vous allez pouvoir voir ce qu'il y a marqué si vous entendez mal ou n'importe quoi. Bref, j'ai mis les sous-titres, donc là il faut que j'aille là. Ah, faut que j'aille ça. Tu connais la chanson? Va au poste 1 et mets-toi en position de tir. Poste 1, ok, c'est ça. Maintenant tire sur les cibles en utilisant la visée normale. C'est-à-dire comme ça? Laisse tomber le viseur. Ah! Maintenant tire sur toutes les cibles en utilisant la mire. Bon, je vais couvrir les cibles avec un morceau de contreplaqué. Les matériaux fins et peu résistants, comme le bois, le plâtre et la tôle. Je veux que tu touches les cibles à travers le bois. Bien! Maintenant, les cibles vont sortir l'une après l'autre. Touche-les toutes le plus vite possible. Voilà, ça c'est bien. De rien. Arme de poing, hop, maintenant, j'ai les deux du coup, ouais. Plante la pastèque. Joli, t'es un vrai tueur de fruits. Quoi? Attends, je suis perdu, capitaine. Faut que j'aille là? Ah non, faut que je sorte, voilà. Oh. Oh, mais ça fait tellement plaisir de revenir sur ce jeu. J'y avais joué, mais je sais même plus sur quoi, je crois que j'étais sur Xbox à l'époque. J'y avais joué, et ça fait plaisir de revenir. Oh. Un bon Call of à l'ancienne. C'est surtout ça en fait. C'est ça, un Call of à l'ancienne avec des jolis graphismes. C'est. Oh. Du coup, je sais pas où c'est. Ah merde, je m'éloigne. Excusez-moi, je cherche en fait. Ah, c'est là. Bonjour. T'as le mec, il est pas. Je suis passé devant en courant deux fois, tu sais. Ils m'ont pas dit, c'est là. C'est doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Ah, c'est vrai. C'est quoi ce foutu nom, Soap? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections? Merci. Soap, à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Kaz détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. Escalade l'échelle qui est là. L'échelle qui est là. Alors. P5 et 4 grenades flash. À bon signal, tu descends sur le pont. Et tu fonces à la position 1. Ensuite, attends. Tu prends l'escalier d'assaut. Et tu rejoins la position 2. Puis tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Attrape la corde quand tu es prêt. J'ai rien compris. J'ai entendu qu'il parle de 1, 2, position 4. J'ai rien compris. Je descends, allez. Et on l'a fait comme ça, ok? Attaquez les cibles! Position 2, allez! Position 2, c'est où? Attaque les cibles! Ah! Position 5, allez! Attaque c'est où? Ah! Putain! Dernière position, allez! C'est où après? Attends, mais je suis bloqué! C'est là? Non, c'est pas là. Pas mal, Soap, mais j'ai vu mieux. Je vais essayer une dernière fois, même si on fait pas le meilleur score de l'autre qui est 19 secondes, je crois. On va quand même réessayer. Donc, hop, donc là je la refais. Attaquez les cibles! Position 2, attaque les cibles! Position 4, attaquez les cibles! Attaque les cibles! 6! Dernière position! Il y a du progrès. Ok, bon, je vais pas la refaire, je voulais juste la faire comme ça. C'est où par contre? Messieurs, la mission cargo est lancée. Préparez vos affaires. On décolle à 2h. Rompez. Il est quelle heure s'il vous plaît? Choisir difficulté. On va laisser par défaut, c'est-à-dire en gros on va laisser seconde classe. Donc on va laisser comme ça. Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775. Présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord.
Règle d'engagement. Équipage sans importance. Oh, me dis pas que c'est la mission que je pense. Oh, ça envoie du lourd. On a la cible en visuel. Arrivée estimée dans 60 secondes. Entendu de 4. Il est pas mouillé ton cigare là ? 30 secondes, on éteint. Passez en fréquence sécurisée. Paré et chargé. Feu vert, allez, allez. Oh putain, mais c'est tellement bien. Ça me fait tellement plaisir, putain. Feu à volonté. Bon dégagé. Laissez le feu. Gaz, tu restes dans l'hélico le temps qu'on sécurise le pont. À vous. Bien reçu. Avec moi. Escalier, ok. Terminé. Couloir, ok. Bien. Je parle pas beaucoup parce que je profite du truc plutôt en fait. Et d'ailleurs vous avez sûrement remarqué que dans le montage... Attendez. Je parle pas beaucoup parce qu'en fait je profite du jeu. Et d'ailleurs vous avez sûrement dû remarquer dans le montage comme quoi je fais des coupures en fait. Genre même pendant ces coupures là des fois je tue des ennemis. Mais je fais quand même des coupures parce qu'en fait c'est pas... Enfin je vais pas mettre à chaque fois que je tue un ennemi en fait. Je fais des coupures et je garde surtout les moments intéressants lorsqu'il se passe quelque chose d'intéressant dans le jeu. Ou lorsque je parle comme là par exemple. Dites-moi si ça vous plaît comme ça ou si vous préférez que je fasse vraiment un épisode entier. C'est-à-dire sans coupure. Où je laisse même les endroits où je parle pas. Où je laisse même ces endroits-là dans la vidéo où vous voyez ce que je fais vraiment, même si je fais quelque chose de pas très intéressant, comme marcher sur le pont et tout. Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Prêt. Déployez-vous, intervalle de 3 mètres. Deux sur la plateforme. Je les vois. On fait comment, du coup, là? Merde. Cible neutralisée. Ennemi à terre. Règle la visite. Oh shit! 2-4, on a des cibles au deuxième niveau. Entendu, on attaque. Wow! Attends, mais ils sont où? Ah, vous êtes là. Putain, mais attendez-moi, s'il vous plaît, je suis perdu à chaque fois, moi. Je suis le nouveau, je vous rappelle. Hein. Tu préfères garder ça pour le combat rapproché. À mon signal, en avant. Surveillez les coins. À gauche, RAS. À droite, RAS. Couloir, ok. Avancez. À droite, RAS. Vous allez où en fait? Vous allez en bas? Mais il faut vérifier en haut, non? Mouvement à droite. Ennemi à terre. Couloir, ok. Surveillez les coins. À gauche, RAS. Avancez. Attendez, à mon signal. En attente. Grenade flash. Oh shit. Je crois que c'était moi qui devais lancer une grenade flash. Passerelle dégagée. Je vous couvre. Avancez. Avancez. On continue. Ah, moi je perce vraiment. Tu me dis avancez, j'avance. Hein. Pas d'ennemis en vue. Regroupement. Tu sais qu'il faut que j'aille. Ah, c'est là. Go. À gauche, RAS. Oui, bah bouge. Mais bouge, putain de t'es mort. Mouvement à droite. Avancez. Route dégagée. On y va. À droite, RAS. À gauche, RAS. Regroupement. Attendez, à mon signal. 1, prêt. 2, prêt. À mon signal, en avant. Mais en avant, mais putain de témoin. Aïe. Ah, ben là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je me suis dit, en plus, je cours comme ça, je fais peut-être que je vais un petit peu trop vite. Mais par contre, je sais pas compris d'où je suis mort, en fait. Il y en a un qui m'a tué derrière alors qu'il y avait personne. Putain, mais j'ai l'impression que eux ils tirent avec des balles, c'est des caoutchoucs quoi. Ah, monte putain! Super, je vais en haut, j'ai un bon spot, juste quand il n'y a plus personne. Oh, j'ai rien dit! Ennemi à terre, bon rapport, tout va bien? Bien reçu, j'ai un signal fort, capitaine! Oh, oh, vous êtes là-bas! J'allais dire, oh, vous êtes où? Oh! Shit, ça sent mauvais. C'est en arabe, mais ça c'est pas en arabe, hein. C'est universel ça, le petit truc là, tu vois. Pas le temps, bravo 6. Deux diables foncent vers vous, prenez ce que vous pouvez, et foutez le camp. Déplacement rapide, sûrement des MiG, on devrait filer. Marc, le manifeste dans le conteneur, vite. Eh, il a dit faut partir. Oh, faut partir, on a dit. Ah merde, faut que j'aille chercher, pardon, excusez-moi. C'est bon, allez, on bouge. Eh, je vous suis, moi je connais pas le bateau. Enfin, vous non plus, mais enfin bref, vous avez compris. Putain, mais passe devant, ou arrête de me bloquer.
Oh. Bravo 6, répondez. Bravo 6, quelle est votre situation? Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Le navire coule, il faut partir. Oh, il y a de l'eau, d'un coup. Répondez, merde. Oiseau de nuit ici, bravo 6, on est en route. Debout, soldats, on dégage. Allez, 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 c'est chaud là. Allez, 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 allez. Oh, 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 chier. En plus, le bateau il est en train de couler. Aïe, 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 aïe. Avance, avance, mais cours. J'ai l'impression que tu cours doucement. Regarde, les autres ils sont en train de mettre une distance là. Allez, oh, de l'eau. Mais non, mais on arrive, hein. Dans le chemin là. Oh, 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 oh. Je vois la lumière. Je vois la. Oh, je vois la sortie du tunnel. Oui. Mais cours, tu cours pas là, tu cours pas. Ah, c'est merde mon frère. On est tous à bord, allez. Bien reçu, on dégage. Et vous, ici oiseau de nuit, on a le colis, retournons à la base, terminé. On a le colis? Ah, c'était pas la bombe qu'il fallait récupérer, c'est juste le petit papier journal qu'il y avait dessus. Hein. Infinity Yard, présente. Waouh. Putain, mais ça fait plaisir, ça. Pour vous dire à quel point ça fait plaisir, j'ai commencé la campagne de ce jeu avant Infinite Warfare. C'est pour ça que la vidéo de la campagne de Infinite Warfare n'est pas sortie sur la chaîne, elle sort plus tard. Mais si j'ai commencé ce jeu avant Infinite Warfare, ça vous montre à quel point je suis plus excité par ce jeu que le nouveau Call of. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Voiture en approche. Continue de chercher. Oh. Oh, c'est mauvais ça. Par contre, je vais pas aller plus loin pour cette vidéo parce que ça fait déjà un petit moment. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est-à-dire si vous préférez un épisode comme celui que je viens de faire, c'est-à-dire avec des coupures au moment inintéressant ou au moment où je ne parle pas, juste je garde les moments intéressants en fait comme je fais dans temps normal, ou si vous voulez vraiment un épisode genre vraiment de A à Z ou sans coupure, sans vraiment entier en fait. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aussi vous êtes tellement excité, vous avez tellement envie de jouer à ce putain de jeu, le putain de Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Putain, ça fait plaisir. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt.